Georgetown, prise 2. Notre immigration, notre visa, en fait, se terminait le 25 mars. Donc là, on s'en va à l'immigration, essayer de voir s'ils peuvent faire quelque chose pour nous parce qu'on est rendu le 29 mars. On aimerait extender notre... on aimerait se rallonger dans le fond notre cruising license pour un autre 3 mois. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Finalement, il faut commencer par l'immigration. Elle nous a expliqué grosso modo c'est l'idée où. On va aller voir ça. Mais on avait la tâche aussi de remplir le bateau de diesel vu qu'on utilise un peu plus de diesel que d'habitude. Mais il faut craquer qu'il n'y en a plus. Fait qu'on va leur repasser pour le run de diesel. On sort du bureau d'immigration, on s'est fait chicaner. On aurait dû contacter le bureau d'immigration, les autorités bahamiennes quand ça nous est arrivé. Parce qu'ils auraient pu nous aider, puis faire un dossier, dans le fond, sur notre situation. Puis après ça, ça aurait été plus facile pour eux de comprendre pourquoi on a pas fait notre demande d'extension de permis avant. Donc là, on doit se présenter au custom encore. On doit aller voir si... ils veulent nous donner un cruising license. Probablement que ce qu'ils nous expliquaient, c'est que ça va nous coûter le double de ce que ça nous coûterait normalement. Donc, ensuite de ça, ils nous ont donné droit à seulement 1 mois. On a demandé 3 mois, mais ils nous ont demandé 1 mois. Donc, on va devoir à chaque mois demander une extension de notre visa. Donc, c'est ça. On va aller voir les douaniers, voir s'ils acceptent de nous donner un cruising license de 3 mois au prix de 6. Ou un 6 au prix du 6, on sait pas. Fait que on va aller voir ça. Un an, un prix de 1 mois. Ouais. OK. Bon. On est allé au custom. Les customs nous ont demandé d'aller dans une librairie pour aller sur l'ordinateur pour faire notre extension de cruising license là-bas pour les coûts de 6$. L'ordinateur fonctionnait, mais le site ne fonctionnait pas, click to clear. Donc, la bibliothécaire, la madame du magasin, est venue avec nous au custom pour expliquer notre situation. Ils l'ont fait manuellement. Ils nous ont chargé 500$ US pour un cruising license de 1 an. Donc, ça, c'est réglé. La pêche aussi, c'est la même chose, c'est 1 an. On s'en est assuré. Donc, la prochaine étape, c'est de tout envoyer ces documents-là à l'immigration. Puis, comme on vous expliquait tantôt, on va devoir le faire à tous les mois, jusqu'à un maximum de 8 mois, je crois, qu'il disait. On est en probation. On est en probation. On s'est fait chicaner par l'immigration, mais les customs sont super gentils. Ouais. Mais écoutons, fait qu'on va faire ce qu'on a à faire. C'est un peu de pays, on était très corrects. Je suis satisfait de tout ça. C'est sûr qu'il nous dit qu'on aurait dû avertir avant, quand la verrie est arrivée, mais on ne pouvait pas savoir. On va dire qui avertir. On ne savait pas que oui, on n'était pas en vie, en danger après l'événement. Fait que nous, après, regarde, on va venir aux douanes le plus vite possible. C'est ça qu'on a fait. Mais oui, on a dépassé un peu les visas, mais on est très chanceux de ce côté-là. Ouais. Le gars était compréhensif. Fait que tu mets ça en ligne, sauf le seul affaire, c'est qu'il va nous surveiller à chaque mois. Pour être sûr qu'il disait qu'on peut se soutenir et subvenir à nos besoins tout seul, qu'on ne se trouve pas une job avec quelque part. Ouais. Non. Bon, ben, fait que là, dans le fond, on s'en va manger un burger au Chat and Chill. Puis remplir les documents bien avant tout, remplir les documents pour l'immigration. Les petits rhum coco sont prêts. Jus d'ananas avec du rhum coco. On s'en va au Chat and Chill. On va aller voir Gérard. On a vu qu'il était là quand on est arrivé. Fait que on va aller voir Gérard, Samy, puis on va relaxer. C'est ça. Dans le fond. C'est le bordel dans le bateau, la vaisselle est pas faite, c'est sans tutu, puis
C'est pas grave, tout est salé, mais là, on a juste besoin d'aller s'asseoir puis de chat and chill. That's it. Ça fait du bien. C'est comme réconfortant. Comfort food. Ça fait deux jours qu'on attend ce courriel-là et je viens juste de recevoir Exuma Immigration qui dit « Good day. Please find attached the approved extension. Regards, Makia. » Et quand je regarde, je vois qu'ils nous ont approuvé pour 60 jours. On a demandé 3 mois. Ils ont dit qu'ils allaient nous donner 1 mois par 1 mois par 1 mois. Et là, je vois qu'ils nous l'ont approuvé pour 60 jours. Fait que c'est une bonne nouvelle. On va devoir se reporter le 24 mai, faire une demande d'immigration le 24 mai si on n'est pas sorti du pays. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est un stress de moins de savoir qu'on peut être encore ici pendant encore 2 mois. Ça fait 2 jours qu'on attend leur réponse. Fait que j'ai hâte d'aller dire à David qu'on est encore légal au Bahamas. C'est pour l'eau gratuite et l'épicerie. Puis de l'autre côté, juste ici, c'est le quai pour aller chercher du diesel et de l'essence. En fait, c'est un Shell. Donc, c'est super facile de se retrouver. Ça, c'est les bons côtés de Georgetown. C'est très bien fait pour les gens de bateaux, de voiliers ou de bateaux moteurs, peu importe, c'est bien fait. On commence avec le diesel parce que c'est rare qu'il y ait personne au quai. Puis c'est un quai qui est super difficile à avoir accès. Là. C'est haut à monter puis tout ça. Puis parfois, il y a un gros bateau qui se met à côté puis on a de la difficulté. Puis on a la chance d'avoir des amis qui nous ont donné, qu'on a rencontrés, qui nous ont donné des bidons de plus. Voilier Gratitude, Voilier Vasio qui nous ont donné des bidons supplémentaires pour qu'on puisse mettre du diesel étant donné qu'on va en avoir de besoin plus que jamais maintenant. Donc on va s'assurer d'avoir des bonnes provisions. Le capitaine n'aime pas quand on... Il veut pas qu'on pogne le fond dans le fond du réservoir. Donc, on s'assure toujours d'être le plus plein possible pour pas que le moteur s'arrête. On n'a pas besoin de ça. On se fie juste sur lui maintenant. Donc, on s'assure que ce qu'il boit, c'est bon. Plein de diesel est fait, il nous reste l'eau. Puis il n'y a personne, on est vraiment chanceux aujourd'hui. Chaque fois qu'on y va, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde. Là, il n'y a personne, c'est tranquille, il fait tellement chaud, d'après moi, c'est pour ça. On a 2 fois 5 gallons d'eau à remplir.
qui est bien, c'est qu'ici à Georgetown, l'eau est gratuite. Il y a des endroits où il faut payer, tant du gallon. Nous, c'est sûr, on a le Watermaker. On ne devrait pas en avoir tant besoin, mais on remplit nos tanks pour ménager le Watermaker. Les commissions sont terminées. J'ai fait quelques petits achats à l'épicerie avant qu'on s'en revienne. Là, c'est le temps de se gâter. Un matin, on a changé la lumière de navigation. En fait, David, il a fallu qu'il change le globe. C'est jamais juste changer le globe, là. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus d'heures que prévu. Parce que, étant donné qu'on a perdu le mât, on n'a plus de lumière le soir d'ancrage. Donc, on n'a plus notre lumière de mouillage, on n'a plus la lumière de deck. Fait que c'est quand même assez stressant. Le bateau n'est pas allumé pantoute, là. Dans le fond, ce qui l'allume, c'est que j'ai des petites lumières au solaire qu'on utilise. Et on utilisait les lumières de navigation pour la nuit. Seulement, les lumières en avant, les vertes, la verte et la rouge, en fait, là, allumaient plus. Donc, David a réparé ça aujourd'hui. Après ça, on avait notre mission eau, diesel, commission à l'épicerie. Puis là, ben, c'est le temps de se gâter, comme je disais. C'est le temps de se gâter. Fait que cet après-midi, on va aller voir. Il semblerait qu'il y a un endroit juste derrière notre ancrage qui s'appelle Hooper. Et puis, il semblerait qu'il y ait des petites tortues pour nager avec les... En fait, tu peux nager avec les tortues. Il y en a plusieurs. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air. La dernière fois que je vous ai parlé, on était en route vers Mayaguana. C'était une
super de belles journées de voile. Ça fait environ 2 semaines de ça. Pour filmer beaucoup après notre arrivée à Mayaguana. Puis si on pouvait voir un peu en arrière de moi. Sous ce qui était supposé d'être notre mât. Il n'est présentement plus là. Notre mât, il n'y a pas vraiment une manière facile de dire ça. Là. Notre mât est tombé. C'était une belle journée de voile. On faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de belles journées comme ça. Et du beau vent qui est parfait pour faire de la voile. Il y avait des petites vagues de 3 pieds et demi. Les vents, c'était 12 à 16 nœuds. On en voyait du 10. Les plus grosses rafales que moi j'ai vues en descendant, c'était 18. C'est vraiment beau. Puis environ à 2000 nautiques d'arrivée à Mayaguana, on a entendu quoi qu'il a snappé. Après ça, tout l'agrément a tombé. La moitié était dans l'eau. On était comme stupéfiés. On a regardé, on n'en croyait pas nos yeux. Tu prends quelques secondes à ce moment de réaliser qu'est-ce qui s'est vraiment passé, que tu as le mât qui est tombé, qui est à moitié dans l'eau. Le mât était cassé aussi. La partie dans l'eau était cassée. Il a à peu près, il a cassé en dessous des spreaders, des bords de flèche. Direct en dessous de la dernière bord de flèche, il était cassé là, était dans l'eau. Je vois la voile qui était déchirée. L'enrouleur en avant neuf qu'on avait fait installer à Oriental était tout tordu. Quand j'ai tout fini de couper les derniers câbles, ben j'ai relâché mon binder tranquillement puis j'ai laissé glisser le mât. Il y avait au-dessus de 2000 pieds d'eau. On a vu notre mât couler avec notre beau radar neuf, notre lumière de mât neuf, toute notre antenne VHF. C'était toute une expérience de voir ça couler de même. T'es désemparé un peu quand ça arrive. Après avoir sécurisé le bateau de ce niveau-là, c'est sûr qu'on avait aperçu qu'il manquait un membre d'équipage sur le bateau. On a parti le moteur, puis ça nous a pris à peu près environ 2 heures à se rendre à notre ancrage à Mayaguana. Rendu là, on a jeté l'ancre. Je suis allé dans l'eau pour être sûr de voir s'il n'y a pas de dommages à la coque. Il n'y a pas de dommages à la coque. On a peut-être été chanceux dans notre malchance. Qu'est-ce qui avait pris le gros du coup, c'est le paddleboard, le Taiga paddleboard qui était accroché sur le côté. Lui, il avait absorbé il a absorbé tout le choc de l'impact. Les chandeliers étaient pliés, puis après ça, le mât, il est tombé dessus. Puis lui, il a tout cassé, mais je pense qu'il a servi beaucoup de protéger la coque sur le côté, parce que c'est sûr qu'il y a eu des dommages. Fait que c'est grâce à ça qu'il a été endommagé. On l'a pas traîné que nous, il a tout cassé, mais il avait l'air d'avoir un loco qui était bien content de l'avoir. Fait qu'à Mayaguana, il faut qu'on lui a laissé. J'ai redressé mes chandeliers. C'est dur à redresser. Fait que j'ai coupé les bouts, je les ai mis plus petits, je les ai rentrés, ils sont plus courts, mais on a l'air moins d'une épave à ce moment-là. Je vous dis qu'une fois qu'on est arrivé et qu'on a mis l'ancre à l'eau, là, on fait quoi? Ben, c'est sûr qu'il faut réparer le bateau. C'était des deuils à faire. Les deuils le plus dur, c'était le matelot. Un autre deuil qui est dur à faire, c'est de dire au revoir à notre mât dans le fond de l'océan. Un gros moyen de propulsion pour l'USCA. Puis l'autre deuil qu'on a dû faire, c'est nos bodyboats, nos coéquipiers qui nous suivaient depuis un bon bout. Alter Ego, qui ont continué leur chemin et voient les gratitudes. C'est sûr, puis on les a vraiment souhaité un bon voyage. On ne voulait certainement pas qu'ils retournent de bord à cause de nous. Nous, notre voyage va continuer. On va continuer différemment. Puis on va aller en Floride. C'est la place, le plus de chances qu'on va pouvoir retrouver des pièces usagées pour réparer le bateau. Puis les assurances ne couvrent pas. On est assuré, les assurances ne couvrent pas parce que tout l'agrément est au-dessus de 20 ans. Il y a peut-être une possibilité d'aller chercher quelques accessoires. Ils nous ont demandé de faire des évaluations, des estimés, mais au Bahamas, il n'y a pas grand place qui vont faire ça aussi. Fait que la meilleure chose pour nous, c'est d'aller en Floride, s'occuper de ça, puis refaire de l'USCA un voilier.